Yo les pilotes, yo les riders, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part les gars, ça va extrêmement bien. Ça va pas bien, ça va extrêmement bien. Parce que dites-vous qu'on m'a envoyé un message hier. On m'a dit mec, il y a le terrain de Bourbruche qui ouvre demain. Tu peux rouler, il n'est pas impraticable, il n'est pas... Viens rouler. C'est parti, on va rouler à Bourbruche. Bon, je vous cache pas qu'il pleut un peu. Le terrain, ça va pas être poussière. Mais bon, on peut être content en début décembre d'aller rouler parce que généralement chez nous, décembre, c'est impraticable. Tu restes à la maison, tu restes sur le canapé. En plus, à 16h, il y a la France qui joue, donc je vais louper le match de la France. Mais bon, la moto avant le foot, non? À mon avis, je vais m'en mettre. Il y en a qui vont être pas contents. Il y en a qui vont dire non, le foot avant la moto. Mais bon, moi, c'est la moto avant le foot. D'ailleurs, les gars, vous avez peut-être vu, on porte le nouveau bonnet MR Motocross. Bougez pas, je vous en parle. Yo les BG, on a pensé à vous, on vous a sorti le bonnet pour avoir chaud aux oreilles, l'indispensable sur les terrains de cross pendant l'hiver et même pendant l'été en vrai. Du coup voilà, il est dispo sur le site au prix de 12,99€, c'est un bonnet made in France, important de le préciser. Ça se passe sur le site, ça se passe sur mr-motocross.fr. Bonne vidéo! Bon en tout cas vous l'avez compris, direction le terrain, direction rider dans la boue, c'est parti! Mort.
ce gras. Là, il faut rouler le plus smooth possible. Le moindre coup d'embrayage que je mets, le coup de gaz en trop, la moto. En vrai, là, si je pouvais donner un conseil sur l'entraînement d'aujourd'hui. Attends, je récupère et tout, hein, ce qui t'arrive. Position physique, ça travaille. Non, en vrai, si je pouvais donner un conseil pour rouler dans ce type de conditions, c'est vraiment rouler le plus fluide possible. Genre, limite, faut pas toucher l'embrayage, essayer de rouler le presque un rapport au-dessus pour vraiment que la moto elle traque tout le temps. En fin de compte, faut être le plus doux possible. Faut pas du tout être agressif et tout, parce que là, vous moulinez et la moto elle mouline et vous avez aucune traction au sol, vous avez aucune vitesse. En fin de compte, vous faites du bruit, mais ça sert à rien, tu vois. Donc là, en vrai, j'essaye d'être le plus écarté mes traces, être fluide et tout, et ça, c'est pas mal, je roule pas mal quand même.